la lumière. Il doit partir. Oui, mais les blocs, hein. Alors, les concurrents ont déjà attaqué... Oula. Les concurrents ont déjà attaqué donc les différents parcours. Voilà, effectivement, le premier à avoir s'être lancé sur la zone, eh bien, c'est ce 6-6 Mercedes. Avec... Le 401, donc c'est le team Alsace-Truck. Voilà, et ils sont à deuxième position, en classement provisoire, à l'issue de la première journée. Avec seulement les 310 points de dégâts. C'est rien, 300 points, c'est ce qu'on disait. C'est rien du tout. Hein. C'est... Alors, il suffit de manquer 3-4 portes et puis. Alors, sur la zone là-bas, c'est parti aussi avec le Pronto 702. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on loupe, lorsqu'on quitte, on va donner un exemple, hein, on n'arrive à passer aucune porte, on quitte donc le parcours, on est pénalisé à hauteur de 80 points par porte, comme il y a 5 portes, ça fait 400 points de pénalité, alors quand on dit qu'il y a un écart de... 300 ou 400 ou même 600 points. Ouh, que c'est chaud là-haut déjà, regarde. Ça met la plongée là, ah, ça commence à être chaud. Il y va, il y va. Avec ce qu'on appelle le transfert de masse. Donc ça, il n'a pas hésité à plonger, notre ami Francis Souet. Francis Souet, navigué par Léo Zimmer sur le Mercedes SK du Team Alsace Truck. Et c'est donc Félix Funke, copiloté par sa sœur Léonie Funke, sur leur Ural 4320, qui sont juste à côté. Et c'est parti là-bas également, toutes les zones sont opérationnelles maintenant, à
avec les différentes séries. Je rappelle que les séries, et c'est le champion d'Europe série 2 qui est parti là-bas, le TT Klenlom avec Thomas Prazak, les Tchèques et Andrzej Vodica. Alors, petite précision sur le... Voilà, sur le 702, j'ai pas écouté, je sais pas si tu as annoncé l'âge du chauffeur. Non, non, non. C'est vrai que c'est le Benjamin de cette épreuve, étant donné qu'il n'a que 19 ans, son copilote, sa sœur, n'a que 17 ans, et ils ont une formation bien évidemment de très haute qualité, étant donné qu'ils sont encadrés par leur père. Leur père qui pratique bien évidemment depuis pas mal de temps jungle. Depuis pas mal de temps le pilote camion. Alors ça commence déjà bien, il y a déjà des belles figures. Ça commence déjà à bien gratter. Ça passe. Il y a déjà de belles choses à voir sur toutes les zones. Alors bien évidemment, ce serait sympa dans le fond à partir du moment où la fameuse piscine entre guillemets sera ouverte. Merci de nous appeler pour faire en sorte qu'on puisse faire l'inauguration tous ensemble et la présentation de ce parcours, la zone de la baignoire. Voilà, voilà, qui sera donc à mon avis exceptionnelle également aujourd'hui. Le tuba et les palmes sont conseillés, bien sûr. Si vous n'avez pas de palme, j'en ai dans mon camion. Voilà, ben Francis, ouais, là-bas, qui est confronté à un angle ventral. Voilà, on voit bien le sabot de protection qui est sur l'arête de ce obstacle. Bon, ouais, voilà, ça glisse tout seul. Voilà, oh la choupe, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un piqué écrasé. On va tout de suite donner le coup d'un piqué écrasé, c'est 40 points.